Mais déjà d'une, messieurs, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Café, eau, thé? Ouais. Épouse loin de vous? Eh, j'ai fait rire. Je suis content. Enfant devant un animé. Ah bah voilà. Donc, écoutez, si tout le monde est ok, Belago, t'es avec nous? Oui, oui, oui. Ah, on t'entend très loin, micro, tut. Non, c'est ce micro-là. Ah, c'est ce micro-là. Ouais. Bah, approche-le. Comme font tous les youtubeurs, ils sont comme ça. Bonjour. Bah, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Il faudrait que je le fasse différemment, que je le mette comme ça. Donc, en tout cas, bienvenue les gars, ça me fait super plaisir. Nos petits clodos où la campagne de désespoir fait foi. Saison 2. On continue nos affaires. Que s'est-il passé dernièrement? Eh bien, il y a eu pas mal de chamboulements. Salut Bibi. Papy, il faut sucer des pastilles. Oui, oui, oui. Heureusement que tu soulignes qu'il faut sucer des pastilles. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Je vais faire sans. Je te souhaite la bienvenue, mon petit Bibi. Bisous sur les fesses, mon ami. Comme je le disais, nous en sommes à ce que nos amis ont essayé de récupérer Blobip. Le gnome, l'agent gnome du collectionneur, ce qu'ils ont réussi à faire, mais ça n'a pas été sans mal. Je résume un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette délivrance de Blobip. Parce que, bien entendu, ils ont fait ça en faisant trois groupes. Oui, parce que ça peut pas être plus simple. Il fallait que ce soit compliqué. Il fallait que ce soit le bordel. Alors bon, il y en a un qui s'appelle Shaxir, que vous voyez là, Shaxir Barogarus, que je souligne, qui est allé faire un tour, savoir qui c'est qui était derrière tous ces messages, qui essayait de menacer, eh bien, la, celle qui, la, celle qui fait les souliers, la rapide chaussure, merde. Ariel. Non, mais non, je parlais de son métier. Cordonnière. Merci. La cordonnière. Et il découvre que il découvre une personne qui serait en lien, qui manipule un peu des hommes, qui s'appelle Michel Duclocher. Michel Duclocher qui, bah, dans ses informations, c'est une espionne, c'est connu, c'est réputé, et pas une petite... c'est pas une petite informatrice débutante. Elle a déjà sa réputation. Et cette dernière, eh bien, a bien failli l'attraper, car lorsqu'il est sorti assez vite et discret, au moment où il a pu voir que un petit kobold, c'est menaçant, a discuté avec certains de ses hommes. Non mais il est où? Et il a pu s'éclipser sans se faire capturer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que faisait Belago? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait Belago? Hein? Ah mais monsieur se mettait... oh bah je vais protéger la cordonnière, je vais faire attention. Belago, attention, parce que celui-là, il fait pas tout et n'importe quoi. Hein. Quand il fait quelque chose, il va à fond. Hein? Parce que Belago, bah il a vu qu'il y avait des gens, il était prêt, plus d'une douzaine d'hommes. Il décide de sauver la cordonnière. De choper un passant par là, d'ailleurs, en même temps, un client. Il décide de faire sortir par derrière la cordonnière pour ensuite passer par les toits pour s'enfuir et mettre le feu au magasin de la cordonnière. C'est chaud. Ça arrive, ces accidents, hein. C'est un accident, hein. Bon, après il a essayé de mettre le feu, ça prend feu plus ou moins. oui, il y en a un qui doit se dire, ouais, il vaudrait mieux pas que tu passes. Bon, écoute, on a vu que son dos, il n'y a pas de souci. Néanmoins, notre cher Belago a couru, il s'est blessé, mais il a sauvé la cordonnière
Et avec, il a découvert un client qui était très capable hein, pour s'enfuir. C'est toujours très frustrant de voir des PNJ lambda qui sortent de nulle part faire plus de choses que vous, hein, faire des sprints. Mais néanmoins, celui-ci arrive à semer la troupe et surtout à les amener vers la police. Ces derniers sont dispersés. Faut pas l'oublier, ça. Belago a amené le groupe d'intervention vers la police et la police s'en est occupée. Et fort heureusement, Shaxir est arrivé et a essayé d'abadouer les policiers. Bon, on s'en sort. Ça se passe bien, finalement. On se demande comment c'est possible de s'en sortir par avoir le cul de bordé de nouilles. Certains pensent qu'il y a une malédiction qui vampirise toute la chance de personnes innocentes, presque, sur... Aïe. Néanmoins, nous voilà avec la dernière équipe. L'équipe d'Inigo Montoya et de Precivi. Ils découvrent, ils rentrent, rencontrent la ritualiste qui a saboté un rituel de protection dans l'asile de Fayenne, qui a permis kidnapping, personnage clé, d'une dame qui est proche d'un clone. Hmm ? Vous le savez, n'est-ce pas ? On va voir s'ils ont suivi. Quel est le nom de la dame dans l'asile de Fayenne ? Hein ? Yari. Bon. Gwen. Gwen. Bien. En effet, cette psychiatre avait donc une sorte de clone. Et celle-ci, ce clone, a été kidnappé. Et cette ritualiste est en lien avec ça. Il rencontre, il la menace, il lui donne, pas des baffes, mais quasiment, ils lui font faire en sorte qu'elle ait tellement peur qu'elle accepte de travailler pour eux. Il découvre donc que son magasin a été fait pour mettre une cachette, pour une salle de torture où leur cible est restée emprisonnée. Cependant, ils n'ont pas affaire à n'importe qui et ils ont pris ça peut-être trop à la légère. Ils ne s'attendaient pas à ça, mais l'endroit est saboté. Ah bah qui met de la dynamite dans une cave. Ils essayent de remonter et certains font des bons choix. Hein. Ils sortent sans problème avec la ritualiste. Non, c'était pas avec la ritualiste, c'était avec la cible, hein, avec le gnome qui s'en sort alors qu'il est grièvement blessé. Et Précivir prend un peu trop son temps. Ou à un moment donné, il s'est dit « Oh ben non, je vais pas casser la fenêtre, oh, c'est pas sympa !» Et tout explose. Et chose incompréhensible, il y a la ritualiste qui s'en sort indemne. Et l'autre qui est sous les décombres. Hein, c'est pas de bol. Hein, c'est... Bon, voilà. Il faut quand même ajouter que Présivir a le respect des associations verrières de Mayence. Hein, donc, voilà, c'est normal. Eh oui, ça doit être ça. Il doit avoir des actions. Hein, eh bien, celui-ci se retrouve ensouveli. Et ça attire bien du monde. Néanmoins, Globip est sur le point de mourir. Et Inigo Montoya se sent obligé de laisser son ami. Alors, celui-ci est amené à l'hôpital. Et la situation est un peu compliquée. Les soins, tout ça, ça a été fait. Je dis à l'hôpital, mais oui, c'était ça, c'était bien à l'hôpital. Il est pris par des forces. Il y a quand même des policiers qui en parlent. Et directement, le Globip est protégé.
il est soigné. Vous avez le temps de ramener la cordonnière et la ritualiste chez Klex, la tortue. Votre spot à protéger aussi, parce que mine de rien, comme vous savez, il travaille quand même sur un morceau du diable. Donc c'est peut-être votre cachette, mais c'est pas votre cachette, c'est une cachette qu'il faut surtout pas qu'on découvre. Tout à fait. Je vous le rappelle. Mais on avait pris soin de faire attention à pas être suivi aussi. Tout à fait. Vous avez pris soin et malheureusement, vous avez pas trop. On reprend à ce moment-là parce que il y a un super chat. Moi, le mien, il est pas encore aussi tout mou, mais il est adorable. C'est une vraie peluche. Hein. Là, il va en avoir marre. Ah oui, là, il a raison. Hein. Et j'ai tué le MJ, pardon. C'est bon, c'est une belle mort. Je retrouverai tous mes chats. Elle est combative comme Montoya, donc. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Même si je décède, voilà, je retrouverai tous mes chats en enfer, bien entendu. Là où tous les individus me doivent beaucoup d'argent, beaucoup de respect, tout ça, je retrouverai mon boulot d'un temps. Ouais, tous les maîtres de jeu vont là-bas. Normal, hein. Nous sommes tous des êtres particulièrement travailleurs. Oh, comme c'est mimi. Bref, nous y voilà. Nous sommes revenus. Normalement, vous avez reçu un message de la part de Valentina. D'accord ? On va zapper cet élément, parce que c'était en improvisation, et j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que je devais faire. Donc, cet élément, voilà, tout simplement, vous voyez qu'il y a d'autres blessés, et donc, quand vous êtes revenu à l'hôpital pour Globip, Montoya, tu as entendu qu'il y avait d'autres blessés qui arrivaient de la maison. Donc tu sais que Valentino va être emmené à l'hôpital prochainement. Précivir et non Valentino. Précivir, d'accord. Ok, ça change énormément de choses, effectivement. Voilà. Ok, ça marche. Il n'y a pas de message à la con, bizarre ou quoi que ce soit. Vous vous êtes reposé en effet chez Klex, mais vous avez su que les blessés ont été amenés à l'hôpital. C'est simplement que t'as pas eu le temps de voir où qu'il allait arriver. Voilà. Et tu sais que les gens l'ont apporté les blessés à l'hôpital. Parce que potentiellement, il n'y avait peut-être pas que vous, parce qu'il est passant et tout ça, une maison qui explose, à mon avis, il y en a eu d'autres. Je me suis dit que c'était quand même un peu abusé qu'il n'y ait que deux personnes. Voilà, donc il y en a eu d'autres, et tout ça, des blessés légers, qui fait que des gens ont été amenés petit à petit. Juste une question, parce que dans la version où on avait joué, on était retourné sur place et on avait appris qu'en fait Précivir a été soigné par quelqu'un, récupéré par une autre personne, etc. Ça a toujours eu lieu ou Non, ça vous le savez pas, vous savez pas ce qui s'est passé. Vous savez juste que y a eu les sortes d'ambulances, quoi. Il y a eu les secours. Et en effet, sur la totalité de la maison, il y a eu plein de blessés, parce qu'il y a eu des morceaux de pierre et tout. Il faut bien se dire qu'en plus, c'était même si c'était à côté, c'est tout le bâtiment qui a explosé, qui a volé. Donc les habitants à côté des maisons, les autres maisons, les gens qui sont à l'intérieur et tout ça, ils ont été blessés. Donc en fait, une masse et à l'intérieur, vous doutez qu'il y a certainement Valentino. Ok, ce qui est même peut-être un peu plus cohérent, puisque je crois que l'endroit où on était, par rapport à l'endroit où était Asken, c'était quand même à une heure... pas loin. Donc, ok, ça marche. Ça change la donne. Est-ce qu'on a passé la nuit du fait ? Alors, vous avez passé la nuit et le message que vous avez reçu, c'est le message d'un agent du collectionneur qui vous indique que Blobip va bien et que Précivir
et là-bas aussi. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'on, qu'on raccroche les wagons. Est-ce qu'avant de partir, il y a Irène Toison là avec nous? Tout à fait. Alors oui, tout à fait. Elle s'occupe, elle aide à, elle a décidé d'aider les rituels de protection de votre cachette. Est-ce qu'elle peut faire un truc en plus? Ça dépend, oui. En tout cas, vous avez... Oui. Parce qu'on a un magnifique coffre ici. Et dedans, il y a un truc. Mm-hmm. Et si elle peut faire des rituels supplémentaires pour isoler ce coffre et être certain qu'il n'y a rien qui est d'extérieur qui puisse communiquer avec, ça m'arrangerait beaucoup. Ça marche. Alors, Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la chose qui est dans le coffre donc, est liée à un clone de notre ami, là, qui est aussi au même endroit, je crois. Donc, dans la planque, on a la cordonnière, on a la ritualiste, et on a aussi Edric. Ça fait beaucoup de monde, je vais me faire une place spéciale, parce que... Voilà. Et sachant que donc on a la morceau de marionnette qui est lié à l'autre clone d'Edric, sur lequel on attend un rendez-vous du collectionneur pour aller à une des soirées mondaines où il devrait se trouver, si on a bien compris, ou une statue de lui ou quelque chose, et qu'on a appris aussi d'Edric que son autre clone serait un mec qu'on connaît pas et qui s'appelle le Pacificateur. Merci. C'était pas la dernière partie, je crois que c'était celle d'avant. Donc c'est pas une mauvaise idée effectivement de protéger le truc, puisque ça évitera d'avoir peut-être d'autres emmerdes en plus. Oui, celle qu'on a déjà. Si des poupées tueuses sont arrivées une fois, ce serait bien qu'on n'aurait pas une deuxième fois qui arrive, surtout quand on n'est pas là, enfin bref. Oui, même si je pense qu'on l'a pas mal calmé l'autre, mais ouais. Non mais je pense qu'on a beaucoup de soucis et qu'il va falloir en tout cas, j'ai beaucoup de soucis du fait que vous avez beaucoup de soucis. Il va falloir régler quelques soucis parce que je commence à en avoir marre. Je crois que décidément toutes ces affaires me rattrapent malgré que je souhaite juste vivre une vie paisible après avoir échoué dans mes nombreuses entreprises. Donc je pense qu'il va falloir agir et se débarrasser de quelques problèmes. J'ai aussi deux autres points rapides à examiner avant de passer, à essayer d'aller récupérer après Sivir. Tariel est ici. Est-ce qu'elle peut nous expliquer comment, à travers son enquête, elle en est arrivée à l'asile? Parce qu'elle devait enquêter sur les problématiques autour du diable, et comment ça mène à l'asile. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va sortir Tariel, hein. Aussi. Tic tic tic. Bah, petite Tariel, elle est où? Elle est où, Tata? Tata, Tariel. C'est tout de suite moins cool hein, de l'appeler Tata, mais. Ah non, je veux pas le crabe mutant. vous inquiétez pas, c'est une vieille. Ça, c'est la vieille campagne. Ça. Il n'y a pas de crabes mutants. Sauf si vous allez chercher des crabes mutants. Mais... C'est pas prévu. Quelle ça, bonne quoi. Idée. Allons. Faire une coupe. Après, ça dépend de la taille du crabe mutant. Hein. mais bon sang, bonsoir. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah, c'est ça, si tu ne nommes pas tes personnages, point d'interrogation à chaque fois. Hein. Ah, bah non, je vais pas. Justement. Ah, bah elle est là, mais. C'est devant 36 autres, quoi. Bien le bonjour, ce gros bonnet. Ah, bah tu rejoins Bibi s'il est encore là. Donc, messieurs, Tariel te regarde. C'est vrai qu'elle a zoté. Oui. Ah, c'est on a travaillé avec Globip, sur cette affaire et on a vu des activités d'un groupe qui était lié à Monsieur Charles. Un groupe de Monsieur Charles et on a remonté la piste.
Terre 2 avait désobéi à celui-ci et avait semblé travailler pour un autre maître. Plusieurs d'entre eux ont été tués, mais on en avait réussi à retrouver l'information. Alors, nous avons pu voir qu'ils étaient en train de réaliser un coup. Et lorsqu'on a compris ce que c'était, et c'était trop tard. Nous avons vu qu'ils avaient kidnappé une personne à l'asile. On ne savait pas pourquoi et pour qui et pour quelle raison. Mais ça avait l'air d'être important, car beaucoup de moyens avaient été déployés pour que ce soit discret. Certaines personnes avaient perdu la mémoire, et d'autres ont été retrouvées dans le fleuve. Et vous savez comment est sans la police. Quand quelqu'un tombe dans le fleuve, c'est qu'il est mort par noyade. Oui. Il est tombé dedans. Ça va pas plus loin. Or, grâce à mes contacts avec la garde, j'ai pu essayer de savoir ce qui allait. Et Blobip a eu le nez fin. Il est très dans le commerce. Il a pu retrouver facilement le moyen de retrouver la ritualiste. Ok. Cependant, une chose est sûre, c'est que le groupe qui est derrière tout ça emploie de nombreux groupes criminels subalternes. Pour le moment, quels qu'ils soient, la plupart ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas des individus qui attaquent. Nous pensons qu'il y a au moins 4 groupes qui travaillent pour ces personnes-là. Et qu'est-ce que vous savez ? Un groupe qui utilise 4 groupes intermédiaires. Qu'est-ce que vous savez sur ces personnes-là ? On n'en sait rien, justement. Bon, déjà, il y a les rayures. Mais tout à fait. Bon, ça, c'est les seuls qui sont très, très, très agressifs. Mais ils n'ont pas été impliqués dans les affaires ces derniers temps. Il y a ce fameux Roland, là, cette espèce de type aux cheveux grisonnants, avec sa hache à deux mains. Il fait pas partie des rayures, lui ? Non. Je suis pas sûr. Parce que d'après ce que disait Bellago, il l'a vu à discuter avec des espèces de murets qui faisaient des affaires pour quelques pièces de cuivre, non ? Ben oui, tout à fait. Roland est un chef de bande, hein. Mais un chef de petite bande. C'est toujours Roland le messager, c'est ça ? Ouais. Bah en fait, son job, c'est d'envoyer des messages. C'est le truc de son gang. C'est la menace et l'exhortation. Et okay. Les messages. Ok. Messages musclés, quand même. Métariel, vous nous aviez dit que dans cette histoire, il y avait 3 factions impliquées. Le gouvernement. Le gouvernement, les rayures, oui. Et les sectateurs de Bélial. Vous tout à fait. Est-ce qu'on a des identités, des pistes à remonter là-dessus ? Alors, c'est là le problème. C'est que nous avons su que ces individus étaient liés à Bélial, mais on a cru que c'était l'un des 4 groupes. Et lorsqu'on s'est... On a essayé de s'informer sur eux, et il s'avère que pas du tout. Ils n'étaient que des larbins de seconde zone. Mais Blobip, c'est lui qui a trouvé des informations sur ces sectateurs. Oh. Il faudrait l'interroger un peu plus. C'est grâce à ça qu'il a trouvé la ritualiste. Moi, je ne sais pas grand-chose. Ok. Alors moi, j'ai un dernier point pour mes camarades. Lorsqu'on était au marché noir avec Bellago, il y a un type qui nous avait... Il y avait un kobold nous avait suivi. Il avait fait un geste des milieux de mafieux, etc., indiquant un cible en mouvement perdu au moment où on avait réussi à lui échapper. Et j'ai retrouvé ce même kobold avec l'espionne de haut rang Michel Duclocher. Et c'est lui qui a failli me choper au moment où je sortais du restaurant. C'est le même kobold. Ça veut dire que quelque part,
ils nous suivaient déjà avant l'affaire du diable. Et là, on a un souci parce que je ne vous comprends pas pour l'instant comment tout ça s'imbrique. Parce qu'au moment où on s'occupait simplement de l'œil du maître, on était déjà suivi par ce type-là, qui a l'air de suivre sur les deux affaires. Donc il faut garder ça en tête. Alors, précision, si je me souviens bien, tu as repéré le kobold au moment où on a pris la calèche. Ah oui. Tu étais resté à l'extérieur. Ouais. Donc, est-ce que c'est vous deux qui suivez avant ou est-ce que c'est moi qui suivais? Ouais. Ah, et je pense que c'est plus lié à moi parce que sinon je vois pas comment, à moins qu'il nous ait vus ensemble et qu'il vous ait suivi, vous. Ouais. Mais donc oui, il y a forcément un lien et je pense que c'est plus lié à moi. Mais alors pourquoi? Parce que qu'est-ce qui te lie au diable, Montoya? C'est la bonne question, je ne sais pas. Après, je pense que... Bon, déjà, je pense qu'il y a un lien parce que bah, il s'intéresse à des gens qui ont ces clones. Cette histoire de clones. Voilà, donc y compris Gwen qui en a. Qui en avait enfermé un dans l'asile qu'ils ont fait qu'ils ont délivré ou capturé ou pris, je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Après, pourquoi ils veulent s'en servir, ça j'en suis pas persuadé. Même si bon bah peut-être que ce diable, mais moi j'y connais rien personnellement, histoire de diable et de démon, doit avoir un lien avec tout ça, de manière directe ou indirecte. Mais il va falloir qu'on trouve quelqu'un à interroger. Bah, de toute façon, c'est Globip, mais il faut qu'on récupère Présivir. Bah, il faut qu'on récupère Présivir, il faudra qu'on interroge Globip, il va falloir aussi qu'on interroge un des gars d'en face. Et, forcément, il va falloir en choper un. Pour ma part, j'ai besoin de me rendre discuter avec une vieille connaissance, aussi dans la journée. Pour aller récupérer un objet que je lui ai donné... Il y a fort longtemps. Bon, je propose qu'on aille déjà à l'hôpital. Pélago ? Et oui, il était resté très silencieux. Au niveau de l'hôpital, c'est sûr qu'on va le faire. Montoya veut aller chercher un objet. J'ai aucun problème avec ça. Pour cette histoire de kobold... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se casse un peu trop la tête. Peut-être que c'est juste. On n'est pas sûr que c'est un rapport avec cette histoire du diable. Peut-être que c'est autre chose qu'on ne sait pas encore. Ah, c'est l'espionne qui a envoyé les messages de menace à Tariel à travers le papier, etc. de l'hôtel. Mmh. Et ce kobold a l'air de travailler pour elle, puisqu'il était là. Remarque, j'ai supposé qu'il travaillait pour elle, mais enfin, ça me paraissait logique. Bastille, je crois que je l'ai vu à un moment se diriger vers elle, ou en tout cas rentrer dans la pièce. Ça fait trop de coïncidences. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Ou peut-être que tout simplement, quand ils nous ont. Enfin, il nous a suivis, moi et Asken, enfin, moi et Shaxir, à cause de Montoya, parce que, je sais pas, peut-être qu'il a reçu des informations comme quoi on a décidé. Montoya a décidé de travailler avec le collectionneur pour cette histoire du diable avant même qu'on ait commencé à en parler avec lui. Ouais. Moi, je me souviens que Shaxir nous avait quand même dit que le kobold avait lâché un truc du style ah merde quand il t'avait reconnu à la sortie du truc. Ah bah oui, enfin il a donc, oui. Il était vraiment embêté que tu sois là. Et que t'aies découvert potentiellement l'adresse de sa bosse. Oui, enfin, qui a dû. À mon avis, ils sont partis depuis. Non, mais. Donc, ça veut dire que le lien est évident. Le truc, là, en fait, c'est que. On est en train de suivre des pistes et des pistes et des pistes. Et moi, je me dis. Si on se créait pas notre. On faisait pas un truc contre ça. Parce qu'en fait, là, l'histoire du kobold. Vous avez vous-même dit, il faudrait qu'on. Enfin, Montoya a lui-même dit, il faudrait qu'on en chope un et qu'on récupère des informations. S'il nous suit, s'il aimerait avoir des informations sur nous, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de lui tendre un piège alors? On regarde si quelqu'un nous suit. Une fois qu'on remarque que quelqu'un nous suit, on l'amène à un endroit qu'on aurait préparé à l'avance.
et on pourrait le capturer et ensuite prendre des informations de lui-même, de la source en elle-même. C'est quelque chose qu'il va falloir planifier, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, allons récupérer notre compagnon, Presivir, et puis essayer de voir si le VIP est en état de parler. Même si je pense que ça va pas forcément être le cas. Bon, espérons quand même que si. Mais s'il n'est pas en état de parler, est-ce qu'on va le laisser à l'hôpital? Parce que moi, personnellement, ouais. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et si on doit le sortir de l'hôpital, comment? Non, mais je pense qu'il faut le... On a les agents du collectionneur qui sont là, qui font gaffe. On a des gens, des enquêteurs qui sont plutôt des gens sérieux, donc pour avoir eu déjà affaire à eux, qui ne se laissent pas influencer, ni... Et qui vont au bout des choses, on va dire. Donc, ils sont là, ils font gaffe, et puis c'est un petit peu le même réseau que celui du collectionneur, plus ou moins. Donc, je suis pas très inquiet, et je pense qu'il est peut-être même en meilleure position à l'hôpital qu'en faisant sortir. Par contre, Shaxir, est-ce que tu penses qu'il serait une bonne idée que tu sortes en premier et regarder si la plante n'est pas observée? De sûr, il n'y a pas de souci. C'est vrai d'ailleurs qu'il faudrait qu'on prévoie un endroit, qu'on revienne pas ici en fait après l'histoire. Bah, on reviendra pas ici, on a 4 lettres, je me rappelle, pour la planque, ouais. Qu'on va en utiliser. Oui, ou simplement un hôtel, ça peut être ça aussi. Hein. Pour pas cramer nos. C'est vrai, c'est pas fou, on aura peut-être besoin d'autres moments un peu plus précieux. Voilà, parce que pour l'instant, on n'est pas en danger particulièrement. Donc oui, effectivement. Non, il y a juste un bâtiment qui a explosé, tout va bien. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes rentré dedans. C'est pas faux. De toute façon, celui que je te laisse avec Presivir, tu vas voir dans quel état je l'ai récupéré. Tu as vrai nid à ennui, Montoya. Ouais, je t'avoue que j'ai pas vu sa tête. J'ai vu que des briques, alors bon. Bref, donc je sors. Et puis, je fais... Parce que, oui, on est dans le quartier des piastres. Bon, je fais mine d'aller fureter aux alentours, comme si j'allais voir une boutique. Ça marche. Alors, voilà. Tu vas me faire un jet de bluff pour faire genre... Là, 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 et puis un jet de perception. On fait notre petite zozote. Bon, je fais 27 pour me le bluff. Mais heureusement qu'il regarde pas vos parties. Sérieusement. Ah, bah voilà. Non, je rajoute quand même un D6. Tu fais 14, magnifique. T'as beau avoir plus 11, hein. C'est la loose. Bah écoute, tu passes sans problème. Personne te reconnaît. T'es trop bon. Sauf que tu fais trop attention à oui, pas attirer l'attention. Et que on oublie qu'il fallait quand même que tu regardes si quelqu'un était dans le coin. T'es là et tu fais. Je reviens pour dire que c'est bon. Hein, moi. Bah oui, tout à fait. Ok, on y va. Eh bien, vous y allez. Voilà, vous sortez du bâtiment. Faites attention. Et ce dernier bien fait son mouvement. Il s'est déplacé, tout ça. Et vous partez en direction de l'hôpital ou pas? Oui. Est-ce qu'on y va? On y va à pied, comme ça, on se permettra de voir si quelqu'un nous suit ou. Oh, bah, de toute façon, je me rends pas compte l'hôpital par rapport au quartier des. Ah, bah écoutez, je vais changer de scène, je vais vous montrer ça. Il n'y a pas de problème. Alors, tac, 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 quartier. Est-ce que... Alors, attendez, parce que là, je vais vous montrer le quartier des grandes places. Ouais. Là, je vais faire un gros, gros zoom. Donc, vous êtes tout à droite. Vous êtes tout à droite. C'est-à-dire que vous voyez la forteresse qui est à votre droite, sur le fleuve. Oui, d'accord. Bien, c'est de l'autre, c'est vous, le quartier des pillades, c'est par là. Que c'est de ce côté-là. Vous êtes obligé, en effet, de faire le tour pour passer par le quartier Clidio, c'est l'autre île que vous voyez en dessous. Et ensuite, vous passez devant l'école d'invocation, le machin, et par la grande avenue, vous arrivez à l'hôpital qui est au centre des grandes places.
D'accord. Ouais, sacrée trotte. Donc oui, ça prend une grosse trotte. À pied, ça vous prend... ouais, 3 heures facile. Oui, bon, on va prendre 3-4 heures, quoi. Ouais, 3-4 ouais, heures. Bon, peut-être marcher juste 20 minutes, histoire d'aller dans les grandes rues où il y a les calèches, et puis on y va. Ouais. Eh bien, écoutez, ça marche. Donc, vous faites signe à un moment donné, une calèche s'arrête avec des superbes montures. Ces canassons au pelage violet et blanc, avec leurs petites cornes sur le front, qui hennissent devant vous, et vous faites attention. Alors bien sûr, hein, ce qui est le plus simple pour trouver quelqu'un de louche, c'est psychologie. Mais vous avez le droit de faire perception. Je vais faire comme d'habitude, moi je vais me mettre... je me mets derrière. Et puis comme ça, je regarde s'il y a aussi genre quelqu'un qui prend aussi une calèche, qui nous suit, etc. Mais c'est très bien. Vous partez avec votre calèche en direction, donc, de l'hôpital. Alors que vous traversez, vous cherchez, et vous voyez qu'en allant vers le quartier du Corbeau, vous avez l'assurance... Je t'avais fait dans la tour, moi. Oui, oui, tout à fait. Certains ont l'assurance que ça se passe bien. Vous n'avez pas vu personne, vous êtes sûr qu'il n'y a personne, que les gens ne se sont pas intéressés à l'endroit, et là, personne ne sait où vous allez, en tout cas, personne ne sait que vous êtes parti de votre cachette avec une diligence en direction de l'hôpital. En traversant donc les quartiers de la ville, bien entendu, celles-ci sont bien différentes selon lesquelles que vous traversiez. Vous êtes parti du Corbeau, là où il y a le plus d'explorateurs, mais aussi de personnes en armes, étant donné que c'est bien ici où on a le droit de les porter, car les aventuriers, eh bien, se rassemblent là-bas. Les aventuriers, mercenaires et autre chose, parce qu'on dit aventuriers, finalement, c'est des gros cons, quoi. Hein. C'est un peu les gars qu'on envoie à des missions que personne ne veut, que potentiellement la loi protège pas certaines tombes, et donc de pouvoir piller quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre avant. Hein, bon, voilà, quoi, aventuriers. D'ailleurs, ça se passe comment? Il y a beaucoup de... Dans ce quartier, il y a pas mal de contrôles pour vérifier qu'ils ont les autorisations pour avoir... Oui, il y a beaucoup de gardes de ce côté-là, surtout qu'en plus, le côté, ce côté de la cité, c'est là où se trouvent les quartiers les plus riches. Ouais. En dessous du quartier du Corbeau, il y a les quartiers, voire les domaines des plus grandes fortunes du protectorat de Valiance. Il y a le pergola. En effet, la percolate, il y a, y a tous ces éléments-là qui fait que il y a la pergolate, les hauts jardins qui sont là-dedans. Attendez, je peux vous montrer Valiance avec toute la ville, vu qu'on parle de cité. Ça peut être important pour plus tard. Donc, je vous montre, je vous partage la carte et je vais vous mettre un point de là où vous êtes. Vous étiez donc, vous avez pris votre dans le quartier du Corbeau qui est par ici. Vous, le quartier des Piastres, c'est au-dessus, d'accord. C'est là où il y a le sommeil du roi, etc. D'accord. Là, le quartier ici que vous avez, là où j'ai mis le cercle, il y a le jardin de l'indépendance, donc ce sont des grands jardins, c'est quelque chose de tout nouveau, ce sont des jardins à la française, c'est les jardins à la Versailles, etc., qui ont été faits récemment, ça commence à prendre de la date, mais qui ont été au fur et à mesure améliorés, et qui sont des investissements pour la beauté, pour donner du prestige à la cité. Car c'est une cité que l'art était est important, mais qui est en paradoxe avec l'industrie lourde de la cité de Valiance, qui a donc donné une très mauvaise réputation, dont un quartier que les gens n'aiment pas nommer et que les gens préfèrent oublier, le quartier Sans Sous. En ce lieu, donc,
quand plus vous allez en bas de la carte, donc après le jardin de l'indépendance, eh bien plus c'est des quartiers riches. Là, vous voyez, il y a en effet un muret. Ce sont des manoirs spécifiques à toutes les grandes familles. Des un muret, quartiers... une muraille. Hein. Oui, c'est une muraille qui fait partie pour toutes les maisons nobles. Et pour y accéder tout court, on n'y a pas le droit de base. Quoi. Un pecno ne peut pas rentrer dans ce lieu. Bref. Et tout en bas, vous avez les manoirs des plus grandes familles. Ce sont des manoirs, c'est des terres plus petites. Bien sûr, toutes ces familles, ce sont leurs points de chute à Valiance. C'est-à-dire que dans toutes les terres de Rava, ces gens, ces familles qui sont riches, ont d'autres villas et manoirs pour aller faire un tour. Mais pour vivre à Valiance, c'est ici qu'ils s'y mettent. Tout en bas, vous avez un bastion militaire qui correspond donc au bastion du sud et qui envoie en effet les troupes pour protéger ces lieux. Les riches ont clairement un énorme avantage, des énormes privilèges envers le conseil de Valiance. C'est la politique qui fait que ils ont gagné du pouvoir, ils ont du mal, le conseil de Valiance a du mal à avoir de l'indépendance par rapport à ça. Voilà. Donc on retourne à notre histoire. Vous voilà en train de traverser. Vous voyez qu'il y a donc de grandes avenues que vous suivez. Donc allez, petit chat, reste avec moi. Non ? Oh, elle était chiant. Et vous remontez en direction donc du quartier des Grandes Places, où vous pouvez rencontrer, donc, à travers cette grande route, hein, c'est quelque chose de nouveau. Il y a le moyen de passer à 6 véhicules. Hein, c'est quand même énorme. C'est une énorme avenue qui a été élaborée, avec au centre quelque chose pour diviser, pour pouvoir faire des tours, etc. Mais nous en sommes pas encore avec du vrai trafic. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout s'ils doivent rouler à gauche ou à droite. On roule là où il y a de la place. Donc, si vous voulez, il y a plein de gens en face de vous ou quoi que ce soit. Hein. C'est le bordel. Donc, vous traversez ces endroits. Il y a, en effet, au centre, des moyens d'illuminer cette avenue. Et vous remontez à travers les différents styles d'architecture de la cité de Valiance. Vous passez devant l'école de l'invocation. École d'invocation qui est fermée, bien entendu. Bannée. Condamné, oui. C'est l'école qu'on voit là, l'espèce de campus avec pas mal de plantations. Non, ça c'est le quartier des temples. Ah d'accord. L'école d'invocation qui est dont cette immense tour, hein, cette ancienne immense tour d'école qui était à l'architecture étrange, a ses fondations totalement fermées. Et qui on envoie les diverses indications où il ne faut absolument pas s'approcher. C'est pourtant un lieu quoi, on peut pas s'approcher, on peut pas rentrer. En effet, tout est muré. C'est une énorme tour de pierre. Tout est muré et on en voit simplement lorsqu'on s'approche un effet bleuté magique d'un rituel de protection qui fait que non seulement déjà de base il n'y a pas d'entrée. On peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en plus de cela, en ce lieu, vous avez une sorte de protection, une sorte de bouclier de protection permanent qui empêche physiquement de l'approcher. Vous voilà passé. Alors les gens savent très bien, ils peuvent s'amuser à toucher le bouclier, hein, ça leur fait rien. Hein, c'est pas un truc qui les électrocute, hein, sinon il y aurait des blessés et des morts tous les jours, parce qu'il y a toujours des débiles. Y a des gens qui peuvent s'appuyer dessus, c'est rigolo, et voilà. Donc, vous remontez, vous traversez pas loin le cimetière, l'un des cimetières des Grandes Places, immense, rassemblant de nombreux des morts depuis des siècles, et vous voilà à l'hôpital de la ville de Valiance.
Bonjour mes petits messieurs, alors c'est bon, vous avez fait beau voyage. Merci pour les pièces. Merci beaucoup. Ah, c'est pour essayer de vous remettre, parce que je vois Belago, il est là. Mais je suis malade en fait, c'est pour ça. Ah, mais c'est bien ce que je pensais. Bienvenue dans le club. Moi, c'est peut-être c'est à peu près la fin, mais. J'espère que c'est pas une grippe. Bon, messieurs, allons nous retrouver notre compagne. Et... Notre compagne. Voir comment elle va. Bah oui, Présidia. Eh oui. Techniquement. Techniquement, c'est notre compagne, tout à fait. Ça m'a surpris, puis après, je me suis dit, bah non, techniquement, il y a rien. Oui. Allons retrouver notre compagne, voir si elle va bien et prendre des nouvelles de Globie possible. Et puis on rentre dans l'hôpital. Hein, vous entrez dans l'hôpital, donc l'hôpital est un lieu avec des jardins, des endroits pour aller marcher, il y a des bancs, il y a plein de bâtiments, il y a une maternité. Des bâtiments en briques rouges qui s'élèvent et qui sont imposants. Une architecture qui a été utilisée, qui a été faite lorsque cet hôpital a été créé. Il a été ajouté petit à petit des morceaux par rapport à la taille de la cité. Certains se souviennent qu'ils espèrent un jour avoir un deuxième hôpital, parce que un seul, pour toute cette population de 250 000 personnes, c'est pas beaucoup en fait. Fort heureusement, il y a énormément de médecins en ville. Vous voilà en direction de ces grandes portes, avec des noms, des mots gravés en ancien langage duravien qui indique la bienvenue et surtout paix et santé. Voilà, en ce lieu où cet hôpital, les odeurs sont importantes, aussi bien chimiques, sang et autres odeurs de nettoyage plus ou moins bien fait. Et encore, les gens arrivent, ils rentrent avec les bottes un peu boueuses, tout ça c'est assez compliqué. Et ce hall d'entrée est impressionnant car c'est un hall d'attente avec de nombreux bancs en bois où les gens attendent leur tour ou quoi que ce soit et discutent pour essayer d'aller plus loin. Vous voilà en ce lieu où ça sent un peu la pisse, car il y a beaucoup d'attentes. Et pourtant, il y a des toilettes. Là, vous arrivez à un accueil où plusieurs dames s'affairent avec leurs habits particuliers indiquant qu'ils font partie du personnel. Un monsieur vous regarde. Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je crois que vous avez un petit problème. Oui, je crois que je vous connais. Bienvenue ici à l'hôpital. Bon, faites vite, nous n'avons pas que ça à faire. Bonjour, nous venons voir une amie qui a été admise dans la nuit ou hier soir, qui se nomme Présivir. Madame Présivir, il me semble. Regarde. Oui, cette dame était en recousage. Bon, elle se fait recoudre. Excusez-moi, celle-ci semble avoir été soignée sur place et a été amenée ici pour la suite des soins. Et pour les plus grandes blessures. Blessure très grave à la poitrine, mais elle a été bien soignée. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, j'ai changé. J'ai pas réussi à faire le gars qui speed en permanence. Je crois que je suis pas assez en forme pour ça. Vous avez dit qu'elle a été soignée avant d'arriver? Les personnes sur le terrain sont intervenues pour essayer de la sauver. Elle a apparemment été blessée grièvement. Je ne peux pas vous en dire plus sur la situation. Je vois que vous pouvez être mis en attente. Néanmoins, d'après ce qui est noté, elle pourra sortir très bientôt. On peut lui envoyer un message lorsque celle-ci sera prête à partir et à signer la facture des soins. On peut la voir ou...
Non, et c'est interdit d'y rentrer sans un membre du personnel. Vous devez attendre à la salle d'attente. Vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de place. Okay. D'accord. Et qu'en est-il de l'état de notre autre ami qui a aussi été admis suite au même accident? Mais je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Vous savez, vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a dans la salle? Vous croyez quoi? Que je reconnais tout le monde? Eh bien, regardez dans le registre, Globip. Globip. Ah, j'ai pas le droit d'en parler. Il y a un symbole comme quoi cet individu est sous enquête judiciaire. D'accord. Bon, bah, il devrait bien y en avoir un enquêteur par ici, non? Il dit, mais vous ne devriez pas... Je cherche, je regarde. D'accord, tu cherches, je regarde. Tu vois un garde, en effet, qui passe dans la pièce. Un de ceux que j'avais vu la veille, ou... Non. Non, d'accord. Je me souviens plus du nom de l'inspecteur, faut que je le retrouve. Bon bah merci monsieur, on va voir, on va patienter. Alors pendant qu'il fait ça, moi je griffonne, je prends un morceau de parchemin et je griffonne un message en chassikia. D'accord. Et puis je suis là avec mes 6 doigts, etc. Je fais ça très très vite, puis je lui dis, tu voudrais bien lui remettre s'il vous plaît. Je lui oui bien sûr, toi qui as mis un truc, toi, voilà. un gamin qui passe. Bon, puis je me décale pour éviter d'emmerder le monde. Ouais. Mais c'est très bien, toi qui fais. Ah, c'est bien, vous avez compris que vous êtes en train d'emmerder le monde. Bon, cassez-vous. Alors, s'il fait ça, je. Ah, je déconne. Est-ce que, s'il vous plaît, mes chers patients, vous pouvez attendre dans la salle d'attente? S'il vous plaît. Je sens qu'il est soulagé par contre dès que tu lui parles. Ou à l'inverse, oh non, il y en a un autre qui arrive. Oh bah, de toute façon, il en voit qui arrive, hein. Ça va, ça vient. Donc ça va, ça vient, il y a des personnels soignants aussi qui viennent. Ouais, 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 tu vois des personnes pour nettoyer. Les toilettes, elles ont l'air d'être où? Ah, tu parles de l'inspecteur, mais moi aussi, il faut que je le retrouve. C'est pas Paps ou un père du coup, non? Je me souviens plus parce qu'il y avait un qu'on connaissait déjà, mais c'est un autre gars qui était venu. Donc... Oui, il t'a donné le nom d'un gars qu'il connaissait, il t'a dit ouais. Que c'était. Voilà, ça je le sais. Bah écoute, hein, on va pas se prendre la tête. Bah, ça dépend en fait s'il y a quelqu'un sur le stream, comme Bibi ou Sgrog, qui veulent. Qui veulent un nom à peu près français, s'il vous plaît, fantastique, si vous voulez, mais pour notre cher enquêteur. Pendant ce temps, donc vous vous écartez et Chassikir. on va y arriver, Précivine. Hein, donc tu vas recevoir ton message. C'est douloureux, mais bon. Alors moi, j'imagine que la chirurgie s'est passée. Et du coup, je suis quoi? Je suis dans une salle de réveil, enfin de réveil, de post-opération. Bah là, en fait, oui, t'as été mis sur un lit. Et tu as été mis sur un lit, t'as tes affaires qui sont à côté, t'as les gens qui sont en train de voir, mais tu vois qu'il y a beaucoup de monde. Et apparemment, ici, si tu désires partir, bah tu pars, quoi. Voilà. Et juste une facture de soins que tu dois payer. Elle s'élève à combien? Alors, elle s'élève à 75 pièces d'or. Putain. Alors, bien sûr, c'est payable en plusieurs fois. Et tu vois que pour la facture, elle est signée magiquement. Avec le sang. Donc, ça veut dire que... Donc t'as pas vraiment trop te demandé ton avis, en gros on t'a pris, on a fait le machin, hop, et ça te permet de pouvoir payer ça, et donc c'est payable en un an. En 12 fois sans frais, avec les modalités de paiement de l'Hôpital Plus. Alors après, bien sûr, il y a des factures supplémentaires, si tu regardes les journaux, si tu achètes des journaux...
tu demandes des gens pour s'occuper de toi. Non, et du coup, le médecin qui m'en sort, il m'avait donné des conseils ou il fallait que j'attende un peu ou... Alors, enfin, comment je me sens physiquement déjà? Eh bien, écoute, tu sais que c'est le docteur Arnaud Laviverne qui s'occupait de toi. T'as une béquille pour pouvoir te déplacer sans te blesser. C'est-à-dire que là, bah, tu te déplaces avec béquille pour éviter de te faire du mal. Et le docteur Laviverne t'a donné en même temps un petit produit pour soulager la douleur. Qui fait partie de la note. Alors bien sûr, si tu payes tout de suite, ça va ravir le docteur. Ouais, du coup, je reçois la note et... Je reçois la note, c'est ça? De Chassir? Oui, je te l'ai dit. Pendant ce temps, il y a... Quoi, je l'ai déjà dit avant, mais il y a notre ami coup... Montoya qui devait patienter. Bellago m'a pas dit aussi ce qu'il était en train de faire. Il est vitifié, le pauvre. Je voulais juste observer, que ce soit dans la salle d'attente ou au niveau des médecins et du personnel, comment ils se comportent, tout ça, et au pire des cas, s'il me fallait... Je dis bien s'il me fallait voler une tenue de personnel pouvant passer les portes, ou est-ce que je pourrais en trouver une? Mais bien sûr hein, que tu peux essayer de faire tout ça. Que tu essayes de juste observer. Hein. Parce que tu vois qu'il y a des gens qui passent, il y en a qui essayent de s'infiltrer, qui se font botter le cul, mais il y en a pas mal qui arrivent quand même à le faire. Tu vas me faire un jet un double jet de perception. S'il te plaît, pour essayer de voir tout ça, pendant que ce temps-là, Montoya, tu vois, elle garde. Ah, excusez-moi, je suis occupé. Et écartez-vous, citoyen. Oui, une seconde, j'aimerais quand même pouvoir avoir mon ami. J'ai vu l'enquêteur Francis hier. L'enquêteur Francis hier soir. Il m'a dit que je pouvais revenir. Ok. Bah, à défaut, écoute, il s'appelle Francis. Ok, c'est l'enquêteur Francis. Ouais, c'est assez français, non? C'est Francis Labière. C'est l'investigateur Labière. L'investigateur Labière, Francis de son prénom. Franfran pour les intimes. Qui m'a dit de repasser aujourd'hui, que je pourrais voir mon ami qui est arrivé hier soir. Il dit oui, je vous reconnais. Il m'a fait la description d'un gars que je devais pas savoir qui c'est, que c'était ok. Bah vous savez bien, pas qui je suis, contre, et puis c'est ok. Par contre, vous devez être avec moi au minimum. Ouais, ça marche, je suis avec mes autres. Venez avec moi. Je fais signe aux autres, enfin, en tout cas ceux que je vois, je pense au moins chaque signe, parce qu'il est à gauche, je sais pas où il est. Je le vois pas sur le médecin. Non, j'étais juste en train de regarder. Je suis pas très loin, moi, de très loin. Bon, eh, venez, les gars. Alors... Je fais un grand sourire au garde. Ouais, tu vois qu'il... Lui, il comprend pas trop. Pourquoi il sourit? J'ai un truc dans les dents. Ah ouais, j'ai une pomme de terre. Bon, pardon, c'était nul. Donc tu penses trouver des failles dans des grosses failles, et pour quelqu'un d'aussi discret que toi, Bellago, tu pourrais facilement aller dans leur vestiaire pour essayer de récupérer quelques vêtements pour se faire passer pour un employé. Les médecins dans l'hôpital et les médecins qui sont dans la ville, parce qu'il y a cassé l'hôpital, mais ils ont quand même des tenues à peu près similaires ou... Non, ils n'ont pas des tenues similaires, et là où tu arrives, tu vois que c'est vraiment les employés de base, quoi. Les employés de médecins semblent être un peu plus difficiles d'accès. Non, tu as quelques vêtements et tout ça, mais
C'est quand même assez loin. Il faut que tu rentres carrément dans l'hôpital. Tu vois à peu près d'où ils sortent. C'est leur vestiaire. Donc, c'est plus l'arrière de l'hôpital que là où vous êtes. Bon, je garde ces informations pour plus tard, si jamais. Si un de ces cas, on veut revenir à l'hôpital et qu'on n'a pas d'autre choix d'essayer de s'infiltrer ou de passer en force, on est un moyen pour l'infiltration. Mais pour l'instant, je fais rien, je suis les autres. Ça marche. Eh bien, écoutez, vous voilà en train d'être rassemblés pour le garde. Et le garde se met donc un peu plus à côté. Écoutez, la victime est toujours dans le coma. Elle ne s'est pas réveillée depuis. Elle doit se reposer et les médecins le soignent autant que possible. Pour l'instant, ils ont dit qu'il fallait du repos. Et cela pendant plusieurs jours, voire au moins une semaine. Ok, bon ben on va pas l'embêter alors, on repassera. Oui, néanmoins, c'est un témoin de crime, de sabotage, d'explosifs. Et de tentatives de meurtre sur la population, il est donc fortement protégé. Voilà. Demandons de ne pas intervenir directement. Il faudrait plutôt obtenir l'aval d'un investigateur, avec un laissez-passer. Pas de souci, on repassera dans une semaine avec des bons papiers. Très bien. Alors, bon, messieurs, on va attendre Brésilvire, ouais. Puisque notre lobby n'est pas en état. Voilà, vous attendez une bonne heure, parce que c'est pas comme ça que ça arrive tout de suite, hein, le temps qu'il se lève, qu'il fasse les machins. Ouais, bah je règle les frais. Très bien. Alors, il faut que je le note, ça. En une fois, directement. Oh, content. Grand prince. Tenez, Manon. D'ailleurs, tu règles à l'accueil, tu règles directement au médecin, tu règles comment dans l'hôpital ? Ouais, direct au médecin. Il prend 10%. Non, il y a une caisse pour payer. Le médecin met 70 pièces d'or dans sa poche et 5 pièces d'or dans la caisse. C'est à peu près ça. Et du coup, pour les... Donc, j'ai toujours une blessure grave, c'est ça ? Mais qui est stabilisée ? Qui est stabilisée. Et pour les points de vie, tu utilises ta béquille. Donc pour le moment, il faut qu'elle peut se réouvrir si tu fais des trucs, des mouvements compliqués, si tu forces un peu trop. Mais tu as un produit pour pouvoir justement compenser. Bon les gars, moi je suis sûr qu'elle va bien, elle s'est mis, sans problème. Vous voyez Sylvire sortir. Vous la voyez tout de suite puisqu'elle est grande, baraquée, ça sort du lot. Ah oui, apparemment, elle a morflé quand même un peu. Mmh. Ah, juste un peu. Hein. Non, mais je dois avoir des bleus partout, là, je crois. En plus. Ah oui, elle marche avec une béquille. Hein. Ouais, vas-y, bien. On est là. Vous voilà donc retournés tous ensemble. Tous ensemble. Et que faites-vous maintenant ? T'en as vraiment pris plein ta mouille, hein, Président. Désolé. Ne me fais pas trop. Bon, apparemment, t'as eu de la chance. Quelqu'un a pu venir te soigner avant d'être emmené à l'hôpital. Désolé, j'ai pas pu rester. Je me suis occupé de Jovi qui est toujours dans le coma. Je comprends. Content que tu sois en vie, en tout cas. Ouais. Content de vous retrouver. T'es de l'attaque ? Coussi coussa quand même. Bon. Si je force pas, ça devrait aller. Alors peut-être faisant quelque chose de pas trop dangereux. Bon, j'avais prévu d'aller rendre visite à une vieille connaissance, pas très loin d'ici, pas très loin de l'école d'invocation. Je pense que un trajet en calèche s'impose. Et on fait quoi pendant ce temps-là, nous ? Bah, vous pouvez venir avec moi, un peu de spiritualité vous fera du bien. Mm-hmm. Par spiritualité, il veut dire quoi ? C'est ça le truc. Parce qu'il y a déjà un truc spirituel que j'ai fait avec toi plusieurs fois, ça ne m'a pas plu, donc...
Non, non, nous allons... Enfin, je ne sais pas où il est exactement, mais je pense pouvoir retrouver cette trace au temple d'Oro. Et au quartier des temples, tu sais où il habite, il n'y a aucun problème. Bah, le quartier des temples, c'est juste en dessous. Tout à fait. Le quartier des Ariophantes, juste au sud, de... là où il y a tous les grands jardins, je sens. Voilà. J'ai juste une question avec Mule. Oui. Le dernier moment pour rentrer encore dans l'œil du maître avant que les réparations soient terminées, c'était hier, ou c'est ce soir, c'est demain? Alors, je te donne ça tout de suite. Attends, c'était quoi cette histoire? C'est le cobriolage. C'est le 10 zone et vous êtes le 9. Ah oui, d'accord. C'est demain. C'est demain. Moi, ouais, j'avoue que je passerais bien par le marché noir en ce temps-là. D'accord. J'ai une carte, elle m'a coûté de l'argent, je peux encore la revendre pour que quelqu'un puisse faire... Et puis Précivia qui a eu quelques informations supplémentaires sur comment ça fonctionne. Donc... D'accord, j'espère. Bah écoute, tu vas faire du marché en vendant ta carte, ça marche. Ouais, est-ce que tu veux y aller tout seul, ouais, parce que les groupes, c'était pas forcément très... Moi, bon, je risque pas grand-chose, a priori. Ah bah... Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal? Je ne sais pas, mais en tout cas, sois extrêmement prudent. Donc, on va se rendre dans le quartier des temples et je vais juste voir quelqu'un pour récupérer quelque chose que je lui ai donné, s'il veut bien me le rendre. Ouais. J'avais un doute du coup sur les temples, que ça marche comment du coup, les offrandes et tout ça, parce que là j'estime que j'ai eu une très bonne chance. Je sais pas si... Je sais pas quelle divinité, enfin il n'existe plus, mais j'ai quelqu'un, je pense, qui m'a guidé, sauvé, je sais pas comment dire. Qui t'a guidé, qui t'a sauvé, t'as fait oh. Alors bah les divinités, oui, les divinités de Ravan, en tout cas principales de la cité, sont Uru, qui est le dieu de la magie. Là c'est plutôt Belasama, la protection, mais du exactement, coup, est-ce que Belasama, c'est la déesse de la guérison, du foyer. Du foyer, il y a aussi Totates, qui est le dieu de la mort, oui, qui t'a pas voulu. Dire. Qui semble pas avoir vu, toi. Bien, chaque sire, dans ce cas-là, on se rejoint où? Alors, les trois grands temples, je termine, les trois grands temples que vous pouvez voir dans... Ce sont des cathédrales, quoi, hein, c'est des trucs immenses. C'est donc Oro, Totates et Esu, qui est le dieu du commerce. Mais il y a en effet des petits temples pour dédier à chacun des dieux de Rava. Mais là où je comprends des pas châtels. Trop, c'est que du coup, depuis le silence des dieux, t'as toujours des croyants? Alors oui, tu as les fous des dieux. Tu as les ouais, fous non, mais des à, dieux. Part les, à part les fous des dieux, t'en as quand même... Non, bah non, ils s'y intéressent beaucoup moins depuis... Donc, en fait, c'est des monuments, mais c'est pas... C'est des reliques du passé, c'est plus historique, tu vois. Ouais, d'accord. On se retrouve pour manger, non? Je sais pas. Oui, on peut se retrouver pour manger. Et à côté du quartier des dieux. Ok, bon bah... J'essaie de faire vite. Est-ce qu'on connaît un endroit pas loin du quartier des deux, où on peut manger? Est-ce que je connais un nom? Oui, bien sûr. Vous allez chez Roger, dans la taverne du voyageur. Classique, il n'y a pas plus bateau. Roger le tavernier. Ah bah... Alors on se retrouve chez Roger. Fais attention à toi, fais attention que tu ne sois pas suivi, etc. etc. Et on va faire de même, ouais. Tu n'arrêtes pas de me raconter que c'est toi la cible, alors. Ça peut être plus en sécurité plus loin. Alors, vous allez manger pendant que votre ami... Non, c'est pas ça. Non. Les rendez-vous... Ils iront après, d'accord. Voilà, donc lui, il va partir au marché noir. Nous, on va partir en direction de... Tadvin. Ça marche. Alors, pour le marché noir, tu vas me faire 3G de criminalité et 1G... d'estimation pour pouvoir revendre tout ça. Ouais. Bon, en sachant que j'y étais allé il y a peu de temps, donc j'espère que ça n'a pas changé. Exactement, c'est pour ça que y a certains éléments. Et pendant ce temps-là, Belago, ça jette d'autres débats, ça Inigo
Ah, c'est tout se termine en haut. Et Présivir, bah voilà, c'est Présivir qui fait. Bref, vous voilà en direction des différentes maisons qui sont dans le quartier des Hiérophantes. Là où, en effet, on se trouve la plupart des temples, hein, mais on les voit en vue, hein, ils sont pas au milieu des temples, hein, c'est tout autour des temples, il y a des maisons et des quartiers, logique. Et Montoya vous amène à un lieu. Voilà, c'est une maison correcte avec un emblème sur la porte et de quoi sonner pour justement essayer d'attirer la personne à l'intérieur. Vous ouvrez. Sonnez la porte. Quoi. Pour votre information, nous allons chez un vieux et puissant magicien. Apparemment, ils sont sans voix. Ils n'ont pas l'air d'être au taquet. Hein. On est là... Non, bah, et disons que je me remets de mes mésomations. C'est vrai que ça fait même pas 24 heures. Là, t'es là, t'es... Je viens de sortir de chirurgie. C'est un peu violent, quand même. Hein. Surtout que j'imagine que c'est encore à l'ancienne. Ah bah oui. Bon, après, on est dans un monde fantasy, donc c'est quand même un peu différent, mais... donc, bah, écoute, tu es devant l'entrée, que fais-tu? Je frappe. Je pourrais vérifier. Un gong, hein. C'est une vieille connaissance. Oui, sur le chemin, on vérifie quand même qu'on n'est pas suivi. Hein. Oui, enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Je peux vérifier qu'on n'est pas observé, qu'on n'est pas suivi. Ça marche, donc vous avez regardé. Et pour le moment, vous avez perdu leur trace. Je veux dire, ils ont perdu votre trace plutôt. Ou l'inverse. Ils ont perdu votre trace, pour l'instant, vous êtes peinard. Donc, tu sonnes. Nous ne faisons pas la charité des ploucs. Nous n'avons que faire. Vous pouvez vous casser. Hugues, ouvre cette porte tout de suite. Tu vois qu'il entend une voix. La porte s'ouvre. Et tu vois donc, vous voyez donc, personnage bien habillé, aux yeux roses et avec, au moment où il ouvre la porte, il regarde Indigo Montoya et il referme la porte. Ah putain. T'as l'air d'être accueilli. Je ressonne au gong. Hugues. Non, partez. Hugues. Encore si c'était les autres. Mais toi. Bon Hugues, si tu n'ouvres pas la porte, on va refaire un tour dans tes rêves. Dans mes rêves. Non, mais il n'y a plus de problème. Hein. C'est moi qui vous fais voyager. Mais justement, c'est grâce à moi que tout s'est bien passé, je te signale. C'est inconcevable de croire que ton arrogance peut être mesurée à ce point sans comprendre mon génie. Mais en même temps, de là d'où tu viens, ça ne m'étonne pas. Il nous parle derrière la porte, c'est ça? Tout à fait. Mon arrogance, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quand même. Comment ça? Mais moi, je ne suis pas arrogant. Je suis tout à fait normal d'être supérieur aux autres. Bon, il faut que je parle à Dalvin et je parlerai à Dalvin. Soit j'enfonce la porte, je casse tout ce qu'il y a jusqu'à lui parler, soit tu m'ouvres gentiment. Bon, tu vois que la porte s'ouvre. Ah, Hugues, ça me fait plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? Ça ne va pas du tout depuis que tu es là. J'avais espéré des personnes de qualité. Tu remarqueras que je sais un peu mieux m'habiller. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, tu regardes. Il y a donc une éclopée et. Bon, il est un peu mieux habillé, mais bon, ça fait pas partie de notre entourage, quoi. Hein. Disons qu'ils sont bien dans le décor avec tous les gros tarés de Dieu qu'ils ont ici, qui puent à 10 km
et que ça, qui adore et apprécie à utiliser des feuilles de verre pour se torcher le cul. Je vois que tu n'as pas changé, Hugues. Pas du tout. quand on est le meilleur, on le reste. Allez-y, entrez. Enfin, tout du moins, je suis le meilleur dans le domaine où je suis et j'apprends encore. Et un jour, mon maître sera heureux et confiant de voir que mes talents ont suffisamment grandi pour être équivalent ou proche de lui. Certainement, Hugues, certainement. Enchanté, Hugues, Précivir. Toi qui s'écarte de ta main. Hein. Elle est entrée dans la salle d'attente. Je vais m'approcher, monter. Je dis, attends, je comprends pas. Donc, il dit qu'il est meilleur, mais il est en train de dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est meilleur que lui, donc. Justement, c'est. Bah, Hugues est très bon dans ce qu'il fait, mais la personne, son maître, il est encore plus, on va dire. Ok. Alors, ta remarque, j'accepte totalement, Belago. C'est comme une petite réussite, c'est comme tu viens de le dire. En effet. Il a l'air d'être arrogant du genre « je suis le meilleur » ou quoi que ce soit, mais il respecte tellement son maître que pour lui, il n'est pas capable de le battre. Il espère être digne de ses connaissances. Voilà ce que Tu as décidé. Belago, la relation entre Hugues et Davine est complexe. Tiens. Alors, donc vous voilà rentré à l'intérieur et... vous avez des coussins sur lesquels vous pouvez vous asseoir. C'est assez petit, mais il fait bon. Vous voyez qu'il y a du thé ou des trucs comme ça qui. Des petits gâteaux qui sont proposés. Bon, je vais contacter mon maître. Vous voyez que celui-ci. Merci. Traverse un mur. Ouais. C'est normal ça. Je vous ai dit qu'on était chez des magiciens, donc ils font des trucs bizarres. Hein. Ouais. Donc bah vous voyez, hein, vous vous restaurez et quelques instants plus tard, vous voyez un vieux monsieur fatigué qui est voilà, il a l'air pas d'être bien et il a surtout sur ses mains, vous voyez ses veines. Qui sont irradiés d'une lumière dorée. Vous le voyez en train de saluer Montoya, navré d'utiliser ses illusions pour vous parler à distance, mais c'est pour notre protection. Nous préférons que vous restiez dans cette pièce protégée et qui nous protège aussi de différents individus. Contre lequel nous avons peu de moyens de nous défendre, à part celui-ci. Vous voyez que Hugues, il fait « Eh oui, je suis une illusion, bande de gogol !» Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, David, et je vous remercie de bien vouloir nous recevoir et nous parler. Si votre illusion ressemble bien à ce que vous êtes en ce moment, je vois que vous n'allez pas mieux. Non, malheureusement, je suis à la recherche, mais j'ai quelques pistes. Mais j'ai toujours fait de mon possible pour continuer à être disponible pour ceux qui m'ont aidé à rester en vie. Ah, il y a le pauvre Belago, il a sa caméra qui est en train de mourir. Ah non, elle est en train de mourir là, c'est horrible. Je ne sais pas ce que tu lui as fait à cette pauvre caméra, mais... Rien du tout, c'est ça le pire. Elle est passée dans les murs, mais elle est restée dans le mur. oui, je comprends pas. C'est la première fois que je vois ça, hein. je te le dis. Belago, t'as pas de chance. Ben, moi, c'est vraiment une caméra de mauvaise qualité, mais j'ai pas l'ensemble. Mais bon, bref, bah tu fais ce que tu peux. T'es tout vert. Je suis venu... Ah bah. Et voilà, on a retrouvé tout le monde. Je suis venu vous voir, Dalvin, pour vous demander un service. Très bien.
Et bien sûr, je sais que je me devrais de vous rendre service en échange. Bien, je t'écoute. Je suis étonné. J'ai accepté de t'aider de toute façon, après m'avoir sauvé la vie. C'est la moindre des choses. Je t'écoute. J'aimerais pouvoir récupérer l'objet que je vous ai confié, que je vous ai donné, si vous l'avez encore. Même si je n'en suis toujours pas digne, je crains en avoir besoin et besoin de m'en servir. Et c'est peut-être dans cette affaire qui m'occupe en ce moment que je pourrais retrouver une certaine dignité. Comme vous le savez, elle avait appartenu à mon père et... Enfin, tout cela est... Oui, je comprends très bien. J'y ai travaillé dessus pour essayer de la stabiliser, son énergie. Il y avait un gant pour éviter d'être meurtri par cette lame. Sa magie, je l'ai essayé de l'analyser, de la stabiliser. Elle a changé forme. Son énergie magique a évolué pour vous donner plus d'informations. Celle-ci est devenue dangereuse et j'ai fait en sorte qu'elle se calme. Elle est donc que sa puissance est endormie et sera mis à l'épreuve au fur et à mesure de son utilisation par ses utilisateurs. Cette énergie est liée à quelque chose qui me dépasse, mais qui ressemble énormément à des capacités que vous et tes amis, pas ceux actuellement, avez. C'est pour ça que j'en ai besoin, si vous acceptez de me la rendre. Bien sûr. En échange, je vous aiderai, soit pour votre santé, si je peux faire quelque chose, mais j'en doute. Et quand le temps sera venu, quand nous aurons trouvé un moyen et j'espère pouvoir en trouver un, je vous aiderai aussi pour Oro. Eh bien, écoutez, j'en suis très heureux de l'entendre. J'ai quelques pistes et sachez que vous êtes le premier, d'entre vous qui êtes passé me voir. Néanmoins, l'épée est utilisable aujourd'hui, sans le gant. D'ailleurs, ce gant a malheureusement subi d'affreuses conséquences de mes expériences pour essayer de la stabiliser. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu faire en sorte que cette épée soit utilisable sans aucun problème. Dois-je me méfier de quelque chose ? Je pense que surtout cette énergie assez étrange va devoir être domptée. Et elle prendra une forme qui sera liée à votre mental. Néanmoins, lorsque ça arrivera, celle-ci se figera. Ce sont les résidus de quelque chose d'important qui finalement a commencé à mourir et ou à se disperser vers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Cela dépasse mes compétences malgré que ce soit ma spécialité. Tu comprends, Inigo ? Je comprends, je pense que tout cela, même si mes connaissances sont très limitées, et je sais que Hugues et moi-même faites un bien meilleur travail, je pense que tout cela est lié d'une certaine mesure. Vous savez comment elle a été imprégnée de ce pouvoir, et tout à fait. Ce que nous avons vu, qui a réussi à se libérer, et les informations que nous avons eues sur Oro la dernière fois. Néanmoins, tu m'as demandé si tu pouvais m'aider pour ma maladie. J'ai plusieurs pistes. Des écrits, que pour l'instant j'essaie de localiser, d'obtenir, à travers un homme, à travers un kobold, nommé tout... Tony... Hop. Zut. Tony Trikaku. Attends, j'arrive. Pas évident à prononcer. Ah, c'est ça, d'utiliser des noms random de kobold à force. Si vous dites, mais pourquoi t'as pris ce nom-là? Parce que j'ai trop de personnages.
Et qu'à un moment, bah, je fais du random. Alors, bon. C'est celui qu'on avait déjà rencontré ? Non, pas du tout. D'accord. Après, vous pouvez faire un jet de haute société. Connaissance haute société, si vous avez... Non, non. Alors, Tritanicu, Zalro, Titranicu. Néanmoins, pour le moment, je n'ai pas réussi à trouver un terrain d'entente. Mais j'ai une autre piste. J'ai une autre piste, si tu le désires, et qui serait en lien avec une de tes bonnes amies. C'est pour ça que je t'en parle. Tu es quelqu'un de très proche d'elle. Arabelle Courfleury. Ah. Oh. Elle a de gros problèmes. Et elle a essayé plus d'une fois entrer en contact sans succès. Mais j'ai eu des intermédiaires, des personnes qui étaient à sa recherche. Toute une... Quelque chose que, dont je ne connais pas plus d'informations. Mais si un jour tu désires finalement m'aider, il serait possible, fort possible, que Arabelle Courfleury soit une des clés de mon rétablissement. Oui, 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 oui. Elle ou quelqu'un d'autre qui est proche d'elle. Je comprends. Effectivement, cela est délicat. Je tâcherai de revenir vous voir, Dalvin, pour voir comment je peux vous aider pour cela. En attendant, vous faites bien de prendre des protections et de vous tenir à l'écart au maximum des gens comme moi. Car je pense que beaucoup de gens sont intéressés par ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et malheureusement, nous attirons, et je regarde mes compagnons à ce moment-là, nous attirons beaucoup de malheurs et de dangers sur les gens qui nous accompagnent. Ah, il est vrai que ces derniers actes sont apportent beaucoup de malheurs, mais vous avez résolu aussi de nombreuses menaces qui ont apporté la paix à toutes ces victimes depuis ces 10 dernières années. Vous essayez de résoudre quelque chose que même le gouvernement a du mal à prendre en compte. Nous sommes dépassés ces derniers temps par des événements qui apportent chaos et malheur à tout autour dans le protectorat. Regardez ce qui s'est passé à Puy-à-Mer. Une ville entière, la ville minière entière a été anéantie. Il y a eu à peine quelques survivants. Nous avons des réfugiés qui s'agglutinent et... il faut te dire que oui, il y a eu des innocents qui ont été blessés, mais combien as-tu sauvé? Je sais, j'ai souhaité un temps me mettre à l'écart de tout cela pour vivre une vie tranquille après avoir perdu beaucoup de choses dans ma vie, mais il semble que ces événements me rattrapent d'une manière ou d'une autre, donc je suis bien obligé de m'en mêler à de près ou de loin, je crois que je n'ai plus le choix. Tout à fait. Eh bien, toi que... Tu vois que... un autre Dalvin apparaît. Celui-ci arrive avec l'épée. Il tousse fortement. Il est dans son fourreau. Et il te la donne. Merci, Dalvin, merci. Le métal est influencé ces derniers temps et celui-ci, sa composition, a été altérée. Des formes assez étranges, et même le semble être un petit peu influencé. Je la prends en main et je la dégaine doucement, bien sûr, pour voir un peu ce qu'il en est, pour essayer de ressentir un peu, voir si effectivement il y a des différences par rapport à la dernière fois. Non, tu sens que elle est bien en main. Tu vois que le pommeau, la garde, le manche, tout ça reste le même. La lame qui a été abîmée, parce que c'était quand même une vieille lame que tu avais,
Elle, par contre, semble être neuve, quoi. Elle semble être neuve et a des sortes de vagues sur la formation de la lame. On peut voir des vagues de comme des vagues de métal. Mais malheureusement, tu n'y connais rien en forge. Tu ne sais pas ce que ça représente. Est-ce qu'elle a toujours un peu cet aspect un peu gelé, un peu bleuté? Oui. On sent le froid qui se dégage. On sent le froid, mais par contre, celui-ci n'est pas mordant. C'est vraiment très léger. D'accord. Bon, parfait. Eh ben, écoute, je la mets à ma ceinture et j'emballe l'autre que je mets au-dessus du sac à dos. Merci à vous, Delvin. Je n'oublierai pas cela. Et je tâcherai de vous aider. Très bien. En tout cas, j'ai été très heureux de te revoir, Inigo. Prends bien soin de toi. Vous aussi, faites vraiment très attention. Donc, il vous regarde. Oui, on se regardait en... Qu'est-ce qu'il... Ah ouais, vous avez juste écouté. Je vois que tes compagnons n'ont pas dit un seul mot. Je l'ai dit. J'ai considéré qu'ils étaient au courant. Et d'après leur visage, ça avait l'air d'être à peu près le cas. Et certains semblent plus paniqués que d'autres. Les aurais-tu déjà amenés dans des périples qui n'auraient été préférables à être destinés à des gens? Pour l'un d'entre eux, oui. Pour l'autre, je regarde Présivir. Pas encore, mais... T'es pas encore, elle a déjà une béquille en train de dire... Disons qu'ils ne sont pas au courant de tout et que il y a certaines informations qui prennent du temps parce que je ne veux pas les mettre encore plus en danger qu'ils ne le sont déjà. Puis-je reconnaître leur nom afin que si un jour séparé de toi, ils puissent venir me voir? Bien sûr, je vous présente Présivir, qui vient de traverser de rudes épreuves, comme vous pouvez voir, et Bélagou. Très bien, donc il regarde, donc, Madame Présivir, j'imagine. C'est ça. Présentez-vous, que je vous connaisse un petit peu. Qui êtes-vous? Ah bah... Eh ben, j'aide Montoya depuis quelque temps maintenant. Je sais pas, je suis censé... Ah bah tu dis ce que tu veux, hein. Ça a en effet de l'impact pour savoir si oui ou non que tu vas lui dire ou quoi que ce soit. Alors, oui. Je le connais pas suffisamment en fait pour savoir si... S'il connaît le collectionneur, pour l'instant je sais juste qu'il connaît Montoya, donc je reste vraiment vague. D'accord, tu dis rien d'autre. Très bien. Elle utilise un petit peu de magie... Et elle est très compétente. Ah bah je n'en doute pas. Je l'espère en tout cas que tu ne t'entoures pas de personnes qui risquent de mourir bêtement à cause d'un pansement mal placé. J'essaye. Donc il regarde Bélago. Non, j'ai une cave qui a explosé sous mes pieds. Là il regarde Inigo. Une cage explosée. Non, c'était toute une maison, mais j'étais dans, moi aussi dans l'explosion, mais disons que Présivier a eu un peu moins de chance que moi. D'accord, très bien. Quand je vous dis de faire attention. Oui, je sais me protéger, ne t'inquiète pas. Et regarde le Firek qui semble être pas bien. Ah, on t'entend plus. On t'entend pas. Ah, on a la caméra. Non, on t'entend toujours pas. On a la caméra, mais on n'entend plus. Alors là, t'as mis le micro coupé. Peut-être là... qu'on... Eh ben, dis donc, t'as pas de chance. Il est maudit. Il est maudit. Non, mais... Il est assez intimidé, mais c'est un bon gars. Je vois qu'il est pas mal de faire des signes. Ah, il parle en langage de signes. il a pas envie de me parler, ou peut-être qu'il a... C'est un langage secret des bas-fonds du quartier sans sous. Ah. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Bref, c'est une personne très compétente. Bon, ah, bah oui. Ah, voilà.
Oui, bonjour. Belago, désolé, je suis juste surpris parce que vous parlez tellement bien, au contraire de Hugues. ça m'a surpris. Mon apprenti a beaucoup à apprendre, mais il apprendra la qualité des chez les autres. Pas tout de suite. Et en tout cas, il a beaucoup de mal. Alors, puis-je savoir qui tu es? Belago, je suis celui qui a déjà vécu trop d'aventures avec Montoya, alors que je ne sais pas encore beaucoup de lui, à ce qui paraît. Ce qui me fait dire qu'il faudrait vraiment que je m'enfuis le plus vite possible avant de découvrir plus. Enchanté, j'espère que vous ne me mettrez pas dans une situation où je vais mourir. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Ah. Je ferai tout mon possible que ce soit le moins dangereux possible, voire même pas dangereux du tout. Bien. Au moins excepté, quelqu'un qui ou est un peu tout plus du moins, raisonnable. S'il y a un danger, je vous le dirai que c'est dangereux. Et que je vous conseille fortement d'avoir les personnes adéquates pour venir vous aider. Ah, mais il y a dangereux et dangereux. Un couteau, c'est dangereux, mais on se blesse pas tous les jours. Oui, quand je parle de dangereux, je sais mesurer le danger. Ne vous inquiétez pas. Dans votre définition du dangereux, Montoya, il se situe dans quel niveau? J'aimerais bien savoir. Pourquoi on soit bien d'accord pour que je comprenne votre définition. Alors, tu vois qu'il y a eu qui passe un fantôme, et il montre comme ça. C'est une personne qui est capable de t'amener dans les pires endroits de Valiance et de t'en sortir vivant. Mais la plupart de ses amis, eux, n'ont pas eu sa chance. Il y en a... Ils ont perdu... ils sont un peu comme... Certaines ont perdu des dents, certains ont perdu des bras... Et... Oui, des jambes aussi. Des gens ont la fâcheuse tendance, les gens qui m'entourent, à... pour certains, mourir, pour d'autres, perdre des membres. Et je regarde Dalvin, et pour d'autres, de voir leur âme déchirée en deux. Exactement. Inigo Montoya est dans un tourbillon, un vortex de problèmes. Mais c'est lui qui essaye de résoudre la source de ses problèmes. Et le vortex s'est bien calmé depuis qu'il est intervenu. Donc en effet, c'est un héros dont on ne connaît pas le nom, mais qui a fait beaucoup pour la ville. Et on a défendu plus d'un, tout comme mon apprenti, même si celui-ci, on oublie. Et là, toi qui es Hugues, regarde. Il fait, oh, mais il n'était pas tout seul. Hein. Il y en avait trois autres. Hein. Hein, lui, bon, voilà, il était là, quoi. Mais ils étaient trois autres à venir m'aider. Et puis, j'allais certainement m'en sortir tout seul. Et Hugues s'est brillamment défendu. Hein. Donc il te regarde. Je lui fais un clin d'œil. C'est bon. Donc tu vois que... bon. Bref, tu es entre deux bonnes mains. Voilà que dit Hugues tout d'un coup. Il te regarde Belago. Et dit, tant que tu restes près de lui, tu devrais pas avoir de problème. C'est ceux qui s'écartent de lui qui risquent d'avoir des problèmes. En général, malheureusement, tu es maintenant maudit. Même si tu t'en vas en courant, le destin te retrouvera. Attends, il part toujours avec moi, là? Ouais, tu vois que Hugues, il te regarde et puis toi qui s'en va. Il t'entend un petit ricanement. Bon, merci beaucoup Dalvin, reposez-vous et je vous recontacte dès que j'ai réglé certaines affaires pour vous aider. Très bien, donc tu as ton épée. Tu as ton épée qui, tu peux là pour l'instant la considérer comme une épée magique plus 1. C'est surtout l'épée de mon père, c'est ça qui est important. C'est ta rapière. Donc plus 1 au toucher et plus 1 aux dégâts de base. Et tu as, en effet, lorsqu'elle... qu'elle frappe, tu fais un des 6 de glace en plus. D'accord. Mais c'est surtout l'épée de mon père, c'est ça. C'est surtout ça, l'épée de ton père.
est devenu magique. Tu comprends qu'il y a quelque chose dessus, quoi, tu... Mais le problème, c'est que tu comprends pas sa magie. Il faudrait quelqu'un qui ait un entraînement avec, pour essayer d'en comprendre son fonctionnement. Il faudrait donc trouver quelqu'un qui soit suffisamment compétent pour échanger des coups avec toi et qui s'y connaît en armes. Pas de souci. Voilà. Donc, messieurs, pendant ce temps, notre pauvre Shaxir, qui était en train de s'endormir, mais non, il n'était pas en train de s'endormir, mais il nous a fait les jets de dés. Alors, on va aller les regarder. Donc, j'ai fait 24, 18, 19 pour le jet de criminalité et 19 pour le jet d'évaluation. Alors, 24, c'est ça ? Alors, 24, 18, 19 pour criminalité. Ok, c'est très bien. Et estimation ? 19. Bon, après, alors, tu as essayé de le vendre avec quelques infos. Hein, c'était un peu compliqué. Mais bon, avec les informations supplémentaires, t'as passé la carte. C'est pas un truc de fou. D'ailleurs, j'ai du mal à estimer là. Je me souviens même plus combien je te l'ai vendu. Je l'avais acheté 50, j'imagine. Ouais, c'était 50, c'est ça. Ok. Bon, c'est vouloir moins parce que c'est tendu, mais peut-être avec un peu d'infos. Voilà, donc je considère que tu l'as revendu 25 PO. Ok. Est-ce que je peux en profiter ? Est-ce qu'il y a Adrien Larose dans le coin ? Oui, tu peux avoir rencontré Adrien Larose. Eh ben, je vais le voir. Alors, Adrien Larose, on va essayer de le ressortir. Où est-ce que je l'ai trouvé ? Il est où, mon petit Adrien ? Ah, merde, je l'ai pas mis dans la bonne catégorie. Bon. Adrien Larose. Ah, bah oui, c'est normal, c'est pas dans le même. Alors, bah écoute, tu l'as retrouvé. Celui-ci était en train de voguer. T'as eu de la chance de retomber sur lui. T'as pas beaucoup de toi qu'il a pas beaucoup de temps. Il n'était que de passage. Regarde, là. Monsieur, comment allez-vous ? Fort bien. Les affaires fonctionnent. Bon, les affaires fonctionnent. Je n'ai pas pu véritablement... Bah, je suis entré par un autre moyen, nous avons quand même aussi appelé. Ah. C'était fort intéressant. Je vous félicite. Je vous fais plaisir à ceux qui iront. Alors, si vous êtes venu me voir, c'est pour faire une transaction. Ah bah au moins pour voir si vous pourriez avoir quelque chose qui m'intéresse, mais... Parce que je pense que vous êtes l'homme de la situation. Voyez-vous, vous savez, je suis dans le commerce d'objets anciens, etc. Et on m'a demandé, un client aimerait récupérer des reliques de Bélial. Or, malheureusement, je n'y connais pas grand-chose. Oui, vous auriez Bélial. Des yeux. Toi qui fais des gros yeux. Il y a des trafics comme ça. Bah, toi qui regardes, les trafics de... cher client, le trafic de ce genre de reliques d'anciennes religions sont difficiles. C'est vraiment des sphères supérieures et il y a aussi peu de clients qui achètent. C'est quelque chose qui est en dehors de ma portée. Hein. C'est pas du tout mon domaine. Et vous ne sauriez pas où je pourrais trouver des ouvrages sur Bélial ? Je suis encore ignorant. Il faut d'abord que je me forme pour toi. En savoir plus, être capable d'évaluer les éventuels objets sur lesquels je pourrais tomber. Eh bien écoutez, je suis étonné que vous posiez la question comme celle-ci. Vous savez, même si c'était les anciennes divinités, la bibliothèque de Valiance regorge d'informations sur les anciennes divinités disparues. Même celles qui sont un peu sulfureuses, comme mais celui-ci. Bien entendu, celles-ci restent des informations... ne peuvent pas sortir de la bibliothèque et vous devez signer de votre nom et ou indiquer que vous l'avez consulté, mais en effet il ne faut pas oublier que nous sommes la cité de la connaissance. Eh bien, je l'ignorais, j'avoue que je m'étais jamais lancé dans le genre de... Mais je comprends très bien, la plupart ne s'attendent pas à ce que justement ce soit disponible ou d'y penser. Vous savez, récemment il y avait eu une pièce de théâtre, justement, qui était les 7 épreuves de Lazarod. Mmh.
une pièce de théâtre incroyable qui avait été faite justement, qui était dédiée aux divinités des enfers. Cette personne, la personne qui a, c'était plusieurs, cette pièce de théâtre avait été faite par des amateurs, mais qui a été mise, présentée au Grand Théâtre de l'Excellence, portée par la grande star Yvonne Goldsail. Oh oh! Eh oui! Et on sait quelque chose sur l'auteur de cette pièce? Eh bien, je n'en sais rien, mais. J'imagine que, en effet, la personne, l'auteur de cette pièce, serait une source d'information intéressante. Eh bien, je vous remercie pour ces quelques informations. Mmh. Oh, mais moi, je vais revendre mes informations que je viens de recevoir de vous. À prix d'or, oui. Oh. Mais cela fait partie du commerce, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. Ça me permettra de trouver des clients. N'est-ce pas, monsieur Marogarus? Bonne journée. Bon, puis je vais les rejoindre. Ça marche. Et là, vous êtes en train de ripailler à la taverne du voyageur. Et vous remarquez une pétition sur la porte. Pourquoi il doit changer de nom, car il y a trop de tavernes qui s'appellent la taverne du voyageur. Et que le tavernier qui s'appelle Bertrand le tavernier semble être son établissement est attaqué pour plagiat. En tout cas, je me fais plaisir sur la bouffe. Tu te fais plaisir. Oui. Il est attaqué hein, par rapport à un certain Mandel Alcor qui vraiment. Demande à la fermeture de cet établissement. Bref, vous voilà en tout cas. Faites-vous plaisir, c'est moi qui régale aujourd'hui. Bah, enlevez-vous quelques pièces, hein. Je vous fais pas trop gaffe, mais s'il vous plaît, essayez de vous enlever les pièces. J'enlève 3 pièces d'or pour les trajets en calèche et pour le repas, ça va? Allez, 5, ouais, 5. Allez, 5, c'est noté. La vie est chère à Valiance. Pas de soucis, ça me fait plaisir de vous offrir à manger. Les revenus sont rares. Et non, vous n'êtes pas revenu au radin soir, exactement. Donc vous voyez qu'il arrive. Alors mes petits messieurs, vous voulez quoi? Alors, donc on a du Schlemberg grillé avec des pommes. Du boudin de... du boudin noir, classique de cochon. Peut-être des côtes d'agneau ou de mouton. On va vous prendre un peu de boudin, des côtes d'agneau, et puis les autres, je vais les commander. Hein. Et en boisson, messieurs, ce sera quoi? Une bonne chopine là. Comment elle s'appelle, celle que vous servez là, la bière là? Je me souviens plus là. La Rizrock, je crois. La Rizrock, ok. De la Rizrock, Moumoun, de la Rizrock. Deux Rizrock, Moumoun, deux. Trois et un boudin en pomme. Trois, Moumoun, c'est des vrais clients. Bon, on commande pour tout le monde, on sait un bon petit égueuleton. Écoutez, vous êtes en train de manger, il y a plein de gens, il y a des gars qui jouent aux fléchettes, avec des couteaux. J'ai pas vraiment mangé depuis 2 jours, enfin un jour et demi, quoi. Donc... Ah, c'est ça, vous vous régalez dans cet établissement. Vous trouvez ça un peu dommage qu'on soit obligé de les attaquer sur un nom de taverne. C'était comme ça. Vous êtes en train de bien manger. Mais il y en a des aventuriers dans la taverne? Au milieu de tout. Hein. Non, mais. Si elle porte le nom des... De voyageurs, bah oui, tu vois qu'elle est sur un grand axe, pas loin d'un grand axe, donc vous n'êtes pas loin du poste de police de l'Ours, dans les faubourgs. Non, je...
je laisse un peu traîner les oreilles sur, je sais pas, des voyages hors que les clients auraient fait à l'extérieur. Ou... D'accord. Pour information, vous voyez quand même que Montoya, quand il mange, a un côté assez gourmet, qui coupe bien son boudin, il regarde bien. On regarde un peu la cuisson, il goûte, il mélange bien avec la sauce. Avant de se baffrer, il a un petit côté gourmet où il fait attention à la cuisson, etc. D'ailleurs, de regarder un peu le plat, la présentation. Et après, il mange de façon plus rustre, je dirais. Ah bah moi aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Hein. Du coup, je m'en piffre. Donc, ah bah, vous voyez tout d'un coup la grâce de cet elfe musclé que finalement vous dites bon, la grâce, bon, il y en avait un peu, mais bon, là vous sentez son côté qui s'évanouit et ça n'impressionne pas quoi. Voilà, en tout cas, elle se baffre. Par contre, Montoya. C'était quoi en fait toute cette histoire, cette épée en fait? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fallait à tout prix que tu aies une autre épée. Il s'agit de l'épée de mon père que j'ai abandonnée à une époque où je ne voulais plus me mêler de toutes ces affaires. Mais comme tu l'as vu, ces affaires me poursuivent et donc j'ai décidé de renouer avec tout cela et. Même si je ne suis pas encore digne de l'épée de mon père, je pense qu'il est temps que j'essaie de l'apprivoiser à nouveau et qu'elle me guide dans ma quête. Si tu veux, c'est un peu symbolique. À côté de cela, elle a aussi quelques propriétés magiques, comme tu as pu l'entendre, qui nous seront utiles en cas d'affrontement. Enfin, propriété qui a l'air d'être mitigée quand même. Certes, son histoire est compliquée. Je crains que ça soit long à expliquer. Elle a vécu de sacrées aventures. Pense-toi, pendant que Shakespeare mange, j'ai plus l'impression d'assister à une dissection qu'à un repas. Il observe tout ça, il rajoute des épices. Et il glisse un moment au tavernier qu'il a juste à rajouter 2 S, ce sera la taverne des voyageurs et peut-être qu'il aura plus d'ennuis. Mais dis donc, monsieur, vous en avez dans la caboche. Et Moumoun. Et si on mettait juste un S? à Dus voyageur? Mais c'est complètement con. Mais non, monsieur, des voyageurs. Mais c'est complètement con, il y a dû avoir certainement quelqu'un d'autre qui doit l'avoir aussi, non? Moi, qui c'est qui est en breton, Roger? N'importe quoi. Alors, bon, bah écoutez, tu vois que... Voilà. Et donc après, Asile? Non, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un symbole plus qu'autre chose. Tu peux m'expliquer exactement qui c'est Delphine et Hugues pour toi? Delphine est un grand magicien, dont la renommée n'est plus à faire, je pense, à Vaillance, en tout cas pour les gens qui connaissent un petit peu la magie. Je ne sais plus s'il travaillait à l'école de divination, je crois que c'est ça. Si je ne m'abuse, il était professeur, je ne crois pas qu'il enseigne encore. Quant à Hugues, c'est un élève qui a eu un parcours compliqué, qui a eu quelques phrases, qui a été pris en tant qu'élève par Delphine. Et nous avons partagé quelques aventures ensemble, comme vous avez pu l'entendre, dans des endroits assez dangereux, dans des périples assez lointains, puisque ça date un petit peu désormais. Dangereux, je crois que c'est le mot... C'était effectivement dangereux, mais nous avons accompli certaines choses. Tout cela est fort compliqué. Les compagnons d'aventure que j'avais à l'époque le sont toujours, hein, mais je ne les ai pas vus depuis un moment. Nous avons
nos chemins se sont séparés le jour où j'ai souhaité m'écarter un peu de tous ces problèmes. Malheureusement, les problèmes me poursuivent, toute cette affaire me poursuit. Ah oui, tu pourrais par contre m'expliquer un truc que Hugues a dit. Je sais pas si... Est-ce qu'il plaisantait quand il disait que j'étais maudit ou... Il plaisantait, non? Il se foutait juste de ma gueule. C'est... Oui, au sens propre du terme, il plaisantait, mais je t'avoue que j'ai... et c'est pour ça que je ne souhaite pas non plus vous mêler à tout. Les gens qui m'accompagnent ont une fâcheuse tendance, effectivement, à être blessés, comme je vous l'ai dit. Ou pire. Je suis content que nous soyons tous les quatre encore en vie, même si... Je retourne vers Présivir, même si Présivir a bien souffert. Ça fait un peu cher, mais ça va, je suis vivant. Alors, messieurs, maintenant, quelle sera votre nouvelle action ? Nous allons à l'asile. Vous allez à l'asile ? On va interroger Gwen ? Ça me convient. Je pense que par contre, là, les gens qui nous suivent vont retrouver notre trace. Attends, il y a un truc que j'ai truc. Elle était pas disparue et on l'a été retrouvée, Gwen. Il y a des clones. On a kidnappé son clone, mais elle est toujours directrice de. Enfin, toujours... Alors, elle n'est pas directrice, erreur. Elle est juste psychiatre. Pas directrice, c'est des clones qui avaient disparu. Je sais pas pourquoi je pensais qu'elle était... Oui, je sais pas pourquoi vous avez mis ça en tête, elle n'a jamais été directrice. Après, je peux... vous pouvez avoir des informations sur l'asile de Fayenne. Il n'y a pas de souci. En tant que connaissance folklore locale. Ouais, on sait quoi d'ailleurs, tiens. Voilà. Alors, j'ai déjà fait un tour à l'hôpital, je ne voudrais pas trop passer par l'asile, mais tout de suite, en tout cas. Oh. En tout cas, alors... en tant que patient. Je vous avoue que pour ma part, j'ai un très mauvais souvenir d'asile, puisque j'y ai passé quelques temps. Alors, messieurs, donc, je peux... Oula, Bellago semble avoir des connaissances. En même temps, c'est pas loin. En même temps, c'est pas loin du quartier sans sous. Donc, les gros tarés qu'on veut plus, bah, on les jette dans le quartier sans sous. Donc, il a dû rencontrer pas mal. Alors, 26, 28 pour Braise. On a peut-être appelé pas la bonne. Ok, bah écoutez, alors vous savez, donc, mais la directrice est bien sûr Jalala Bouti. Jalala Bouti, qui est la directrice depuis longtemps, c'est pour ça que vous la connaissez, parce que elle y est depuis des années, hein. C'est une vieille personne qui a pas loin de 70-75 ans, qui justement... s'est occupé énormément de ses patients, dépassé par la quantité de travail qu'elle a à faire, et difficile aussi de trouver des employés qui ont le mérite. Néanmoins, il y a des noms qui reviennent assez facilement, que même Montoya vous fait « Ah oui !» Un psychiatre connu pour appeler Marcel Barbotte, qui est un harceleur sexuel bien connu, bien connu, parce qu'il est marié, mais alors, ce gars, aussi bien les clients que les personnels, et toute personne qui, vous connaissez sa réputation de coureur de jupons. Attends, mais il est psychiatre quand même. Oui, c'est-à-dire que si Marcel vous met une main au postérieur, ne le prenez pas mal, Présivir. Disons que chez lui, c'est un petit peu une habitude. D'ailleurs, je serais étonné qu'il travaille encore à l'asile, puisque la dernière fois que je l'ai croisé, il avait déjà, je crois, 8 plaintes de mémoire. Tout à fait, mais ça n'aboutit jamais. ça n'aboutit jamais. Et l'une des psychiatres les plus étranges... Et Gwen Guernille, qui ces derniers temps, elle est connue, vous la connaissez, parce que les gens la craignent, parce qu'elle s'occupe des cas spéciaux. Et tout le monde fait des rumeurs.
Alors, étant donné votre jet de dé, vous savez que c'est de la merde, mais les gens ne peuvent pas s'en empêcher. et que c'est certainement pas elle la plus terrible des psychiatres qu'il y a dans le truc. Hein, mais elle gère quand même les cas spéciaux. Mais en effet, c'est une personne montante, en fait. Parce que il y a eu par exemple des articles sur elle. Sur ce qu'elle a réussi à faire. Voilà. Elle a produit un rapport, comment on appelle ça, un traité, wow. Un travail, un traité, voilà, un moratoire, peut-être. Un essai. Non, c'est pas un moratoire. C'est... Une thèse, un rapport. Mémoire. Voilà, bon, bref, une analyse hein, de sujet, tout ça, qu'elle a publié, et ça a été publié plusieurs fois. Elle a fait publier plusieurs fois des choses dans les journaux. Quoi. Et ça, pas forcément récemment, hein, c'est sur plusieurs années. Sur quoi ? Sur des traitements, sur des sur les traitements, sur des constatations, des découvertes, sur des pathologies, parce que la psychiatrie est quelque chose de tout nouveau. Et là, pour le moment, ils utilisent la folie, quoi, l'hystérie. À cette époque-là, là aujourd'hui, ils utilisent la lobotomie. Ils utilisent les jets d'eau froides et chaudes. Comment ça se dire que les électrochocs, ça peut être génial. D'accord. L'ouverture du crâne, par exemple, pour essayer de ventiler l'esprit, est une méthode. Pour votre information, ce Marcel est en contact de temps en temps avec un certain journaliste que nous connaissons et effectue quelques petites missions pour lui. Et ceux qui se souviennent pas, c'est Samy. Hein. Oui, non. D'accord. Voilà. Alors, on va aller donc au quartier. Est-ce qu'on peut se faire le petit break de 5 minutes pour récupérer un café, machin ? Avant, je vous montre simplement l'endroit où vous allez. Je change de scène. Je vais fermer ça. Tac, tac, tac. Et oui. Ah, c'est marrant que c'est toi qui me le demande. Tu vois que c'est bien, finalement, les pauses. C'est une remarque. Non, donc, c'est parce que là, je suis à fond et j'ai besoin d'une pause. Donc... Vous allez au quartier du Haut-Pic. Quartier que Belago, Shakespeare et Montoya connaissent bien. Mais surtout, voilà où est l'asile. Ah ouais, il est vraiment à côté. Il est tout en haut, suspendu au-dessus. Il a son grand jardin, mais on voit tout le quartier sans sous, en dessous de l'asile de Fayenne. c'est pas l'endroit le plus sinistre possible. Et en plus de cela, il est à côté du cimetière, du quartier du Haut-Pic, qui est à côté du centre traitement des déchets, qui est un incinérateur. Quand Ekmul dit qu'il lance, il jette dans le quartier sans sous les mecs qui veulent plus, ils sont relâchés. C'est au sens littéralement. Bon, ouais. S'il survit, il a une seconde chance. Donc tous les éclopés là, tous les mecs avec une jambe cassée, qui ont plus de jambes, etc. C'est tous les mecs qui ont été jetés après, qui sont dans le quartier sans sous à mendier. Voilà, ils viennent tous de l'asile. Beau. Montoya aussi. Oui. Voilà. Et eh bien, allez, écoutez, pause. On fait une pause. Donc 5 minutes. Moi, je vais me prendre un autre thé pour le miel. Et puis, j'arrive.